Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 juin 2024 et je vais vous faire la petite vidéo, donc la dernière, voilà, sur les poissons et ou ascendant poissons pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois de juin 2024. Alors le poisson, votre pierre de prédilection, c'est l'aigle marine, hein. C'est une très belle pierre, bleu ciel, très jolie, très, j'aime bien moi, c'est vraiment, ben, je suis ascendant poisson, alors peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Je la préfère que l'améthyste, qui est mon signe, moi je suis bélier, normalement ma pierre c'est l'améthyste, mais j'adore l'aigle marine, je la trouve tellement belle. Donc on me dit que pour vous les poissons, il y a quelque chose qui va être mis sur la table, d'accord? Quelque chose qui va être proposé, qui va vous être mis sur la table, qui va être enfin festif, on me parle de festivité, d'accord? Allez, dites-moi. Donc si au cas où vous voulez... Alors l'aigle marine, je sais pas, je sais qu'ils font quelques petits bijoux essence mana avec de l'aigle marine. L'aigle marine, c'est quand même une pierre semi-précieuse, voire précieuse, semi-précieuse on dit. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à trouver des pierres aigle marine pas trop chères. Parce que comme c'est une pierre semi-précieuse, c'est quand même une pierre qui a pris beaucoup de valeur. Donc du coup, mais sur essence mana, je sais qu'ils font quelques bijoux en aigle marine. Donc vous pouvez aller voir. Et vous avez moins 30% en ce moment. Avec le code GRATITUDE30 sur tout votre panier, sauf sur le tapis Nebula et sur l'oracle de Joanne de Mademoiselle Lenormand. Sinon, tout le reste, vous avez moins 30%. Donc franchement, allez voir. Et vous pouvez payer en 3 fois sans frais Excalapé. Et c'est fait par Tiffany et Jonathan en France, donc c'est super. Allez, on va regarder pour les poissons et ou ascendant poissons. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour vous les poissons et ascendant poissons? Surtout allez voir votre ascendant, c'est très important. Souvent on devient son ascendant en vieillissant. D'accord? Allez, vous allez avoir les honneurs. Il va y avoir une belle découverte pour vous. Réussite, les pénates. Vous allez sûrement peut-être déménager ou alors trouver une maison ou alors acheter une maison ou alors en tout cas dans votre lieu d'habitation. Vous êtes en réussite, vous allez être bien, d'accord? Alors, soit c'est dans votre maison actuellement, peut-être vous avez des travaux, des choses comme ça. Mais en tout cas, on me dit, là, j'ai une découverte, soit d'un nouveau logement, soit de quelque chose dans votre maison qui va vous apporter la réussite, les pénates, d'accord? Vous partez, j'ai un départ pour vous avec l'étoile de la femme, donc vous, homme ou femme, vous partez. Alors, j'ai comme si c'était un déménagement pour vous, hein, les poissons, hein. Voilà, parce que là, j'ai quand même le départ... Dans de nouvelles pénates, ça va être une belle réussite, une belle découverte, une réussite. Pour vous, vous allez avoir les honneurs, ça va être mis sur la table et ça va être une belle renommée. Vous allez pouvoir le claironner sur tous les toits, ça va être mis sur la table. Alors peut-être un achat de maison, peut-être une location que vous allez enfin trouver, parce qu'on me parle de découverte, comme si vous attendiez ça depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle réussite. Malgré des trahisons de la famille, de personnes de la famille, depuis longtemps, l'héritage là, peut-être quelque chose que vous attendez, peut-être un héritage que vous attendez aussi familial, ou peut-être une trahison de la famille parce que bah, peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de vous aider à trouver ce logement et ça a été compliqué, hein, vous êtes senti trahi parce que ça n'a pas fonctionné, et bah écoutez, c'est là, ça arrive. Pour vous, j'ai vraiment un nouveau départ qui commence avec un changement sûrement de lieu d'habitation, peut-être une mutation aussi professionnelle. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons et ou ascendant poissons pour ce mois de juin 2024. Vous voyez, on a essayé d'abuser de votre confiance et vous êtes pieds et poings liés face à ce changement. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'attendre. Vous voyez, là, j'ai le despote, vous êtes enchaîné, vous attendez. Voilà, vous n'avez pas le choix. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on a pour les poissons et ou ascendant poisson pour ce mois de juin 2024. Ça a pris beaucoup de retard, mais regardez, ça va être mis sur la table, j'ai le départ. Le départ... Alors, allez pour parler, l'abondance arrive. Donc franchement, c'est que, ouais, par contre, il y a beaucoup de jalousie, de méchanceté autour de vous. Hein. Beaucoup de gens qui piquent, qui parlent, qui disent du mal de vous. Vous voyez, parce que j'ai les paroles ici pour parler et j'ai la méchanceté. Donc j'ai des paroles méchantes qui sont dites par rapport à cette nouvelle abondance qui va arriver pour vous. Hein. Donc comme on dit, hein, vous vous en foutez totalement, vous mettez ça de côté et vous les, voilà, vous les dégagez, vite fait, bien fait, toutes ces personnes qui disent du mal de vous. Malheureusement, c'est un petit peu dans votre dos, hein, donc vous n'êtes pas spécialement au courant, mais après, voilà, vous vous en fichez, d'accord? Moi, ce qu'on me dit, c'est que le changement, il est là. Jusqu'à présent, ça a été compliqué,
ça a été même bloqué, d'accord? J'ai la roue dans l'ornière ici, retard, blocage, abus de confiance, on vous a menti, on vous a bloqué, ce changement ne s'est pas fait parce que j'ai un malaise qui est ici. Sauf que là, on me parle d'un nouveau départ, ça va être mis sur la table, c'est là, hein, c'est vraiment là, pour ce mois de juin. Et on me dit que, de toute manière, ouais, alors ça peut être au niveau travail, nouvelle entreprise, mutation, nouveau boulot, nouveau logement, ou alors nouvelle entreprise, vous voyez, ça peut être un départ dans un nouveau travail, si c'est au niveau professionnel, une mutation, une évolution, alors... attention, parce que des fois le départ, ça peut être juste de monter d'un étage, hein, ou de changer de bureau, hein, d'accord? Mais là, on me dit que vous avez attendu ça depuis un bon bout de temps, sauf qu'il y avait beaucoup de retard, qu'on vous a menti, mais ça va se faire, d'accord? Ça va se faire, vous êtes pieds et poings liés en attente de ce nouveau départ, et on me dit que de toute manière, il y a beaucoup de jalousie et beaucoup de méchanceté derrière vous. Regardez, il y a des gens qui blablatent, là, qui parlent avec Mars, qui disent des choses méchantes sur vous, parce que vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, si c'est au niveau travail, vous êtes muté si vous avez demandé une mutation, vous allez évoluer si vous avez demandé une évolution, parce que jusqu'à présent, c'était bloqué. Si c'est au niveau de peut-être de trouver du travail, eh bien oui, vous allez trouver, mais vous allez peut-être devoir bouger, changer de lieu, changer votre fusil d'épaule, changer votre peut-être le boulot que vous vouliez faire, peut-être travailler sur un autre boulot, mais moi, on me dit que c'est plutôt positif, parce que là, j'ai l'abondance. Si c'est pour déménager, bah, ça va se faire, hein. Nouvelle maison, nouvelle pénate, comme on dit, voilà. Si c'est au niveau amoureux, et bah, peut-être qu'on vous a menti au niveau de votre relation amoureuse et que là, vous allez avoir un nouveau départ. Vous vous sentiez pieds et poings liés dans une situation compliquée avec un conjoint ou une conjointe qui vous dit des paroles qui sont méchantes, qui sont vraiment mauvaises, peut-être qu'il vous demande de l'argent, mais moi, on me dit que de toute manière, vous allez vous en sortir, d'accord? Vous allez arriver à vous sortir de tout ça. Et pour moi, c'est positif. J'ai même un mouvement de votre part vers quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder. Dites-moi, pour les poissons et ou ascendant poissons, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin 2024 à la coupe. Ouais, on me parle d'une situation instable depuis un bon bout de temps. Vous voyez, j'ai l'hérédité là. Situation instable depuis un bon bout de temps. J'ai un changement pour vous, homme ou femme, un changement qui est imminent. Le changement, c'est sur le mois qui arrive, d'accord? Donc, c'est ce mois-ci, il va y avoir une décision qui va être prise et vous allez vous réunir, vous retrouver. Alors, soit c'est, comme je vous dis, c'est un déménagement en famille que vous retrouvez, soit c'est au niveau travail, il y a une réunion de travail, un changement par rapport à ça. On me parle d'une correspondance, d'une lettre, d'un courrier, d'un appel, de quelque chose lors de cette réunion-là, peut-être dans votre niveau professionnel, où vous voyez, tout à l'heure j'avais les mauvaises langues, voilà, on vous culpabilise, on vous montre du doigt, on vous dit non et tout ça, c'est bloqué, sauf que moi on me dit que ça, tout ça, ça va se débloquer, parce que j'ai la parole là et une nouvelle réunion, une nouvelle association, et on me dit que même si vous étiez en échec jusqu'à présent, là j'ai l'abondance qui arrive, d'accord ? Une belle protection qui va arriver. Vous voyez, vous étiez bloqué. Vous étiez bloqué dans une situation. Et là, j'ai le beau miroir magique qui positive tout le jeu. Donc, cette situation se débloque ce mois de juin. D'accord? Et on me dit que de toute manière, vous allez réussir suite à cette... vous partez, hein, moi j'ai une séparation, vous vous en allez, vous évoluez. Alors, si c'est comme je dis, si c'est au niveau professionnel, vous évoluez. Si c'est au niveau familial, vous déménagez, vous bougez. J'ai vraiment quelque chose lors du déplacement et vous allez réussir. Ça va être une renaissance avec un gros coup de chance dessus. Mais franchement, moi j'ai beaucoup de gens qui sont mauvais, hein, autour de vous, les poissons et ou ascendants poissons. Hein, regardez les femmes là qui parlent, bon, ça peut être des femmes ou des hommes, hein, qui parlent comme ça dans votre dos et qui veulent vous mettre en échec. Mais moi, on me dit que là, de toute manière, le changement, il est là. Il est pour ce mois-ci et c'est un changement positif sur tout ce qui a été négatif par le passé et qui était bloqué. D'accord ? Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous voulez une petite guidance plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. J'ai des disponibilités pour la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye !